Bonjour à tous et à toutes et bienvenue mes petits diablotins sur Ikoto dont je continue You Will Not Remain. J'en profite aussi pour boire mon petit thé qui est juste à côté de moi, histoire de me revigorer un peu. Et à coup de thé, parce que le thé il n'y a qu'une seule solution. Donc comme vous le savez, la dernière fois nous avons rencontré Elliot. Je l'ai nommé Elliot, vas-y, on part pour Elliot. Je sais même plus comment je l'ai nommé sur la vidéo d'avant. C'est très con. Mais voilà, on va partir sur Elliot, comme Elliot le dragon. Voilà, Elliot, comment vas-tu? Allez, c'est parti, Elliot. On rentre chez moi. Pas rentrer chez moi. Bon, ben, Elliot, parce qu'on va arrêter de l'appeler le chien. Elliot, il part avant nous, avec la queue qui balance très fort. Qui me fait beaucoup de bruit, genre poum, 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 genre la queue, elle fait des bruits de je sais pas, de ventilo, d'hélice d'avion. La queue, elle fait voum, 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 voum. Ouais, quand elle frappe sur le mur, flap, 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 ou un truc comme ça, genre un coup de fouet, quoi. Je suis content de te voir ici. Alors, on a un os, on peut pas utiliser l'os? Genre, histoire de rendre Elliot content. C'est assez d'excitement pour une seule journée. Il est temps d'aller au lit. Bed. Je pense que tu vas dormir avec moi. On n'est pas content. On a un chien qui dort avec nous. Au lieu d'être un chien, on a un chien qui dort avec nous. C'est incroyable. Oh, cette phrase de. Tu plies la couette d'un côté du lit, cette phrase horriblement de bof. Le chien est chaud. Est chaud, oui. Et fait une grosse masse à côté de vous. Content to be pushed around and you make yourself. Et tu te contentes de le pousser un peu et de te mettre un peu confortable. Quand tu t'assois into the shit it lays. Its head across your neck, warm, metallic breath, luring you to sleep. C'est quand tu mets ta main in the bread. Voilà, j'ai pas tout compris. Mais un chauffement métallique, enfin, un souffle métallique te suit dans ton sommeil. Je suis désolé. L'anglais. Waouh! Ils ont fait quoi au jeu? Ah, tu rêves de nouveau. Tu te souviens de t'inquiéter à propos d'elle. Tu remember? Tu te rappelles attendre anxieusement à la porte. Tu te rappelles que. comment ton appartement sentait son odeur pendant des semaines. De sweetness, la douceur de son parfum dans sa lingerie, dans cette merde. Les dents mais ils ne sonnent sans plus comme elle maintenant. Wouhou! On tombe sur un petit mec qui a une petite rupture amoureuse et qui a des mauvais souvenirs. Yes, c'est bon ça. Radio statique. Vidéo clip de Radio Star. Yes, vive les références. Non. The she is stay. You can do this. Tu ne peux pas faire ça à nouveau. Si tu ne penses pas à ça, ce bruit est insupportable. C'est comme si ça n'était jamais arrivé. Reste à l'intérieur. Please. S'il te plaît, non. Ouais, j'ai juste tout. Je suis où? Je suis où? Frater. D'accord, je suis debout. Barque. C'est certainement une manière d'être réveillé. Tu ne peux pas complaindre les comptes de ses pensées. Non, quand elles ont été sauvegardées par toi. Bark, bark! Right. Tu as un chien maintenant. Very. Un chien très étrange. Moi, franchement, je le trouve stylé, Elliot. Alors, Elliot, où allons-nous aujourd'hui? Marc? Ouais, je suis d'accord, on va chez toi.
Tu mets de l'eau, tu prends de l'eau et quand tu la mets dans le bol avec qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Sausage and double toast bread. Yup, it's good enough. Ok. Alors, patience, je sais pas ce que c'est. Sausage, c'est des saucisses, je crois, et une double tartine de pain. Tu espères que ce sera c'est bon. Ouais, du 7, quand tu la poses par terre, le chien se rue désespérément sur la nourriture. Munch, munch, je fais vraiment les bruits qu'il y a écrit. Hein. Il mange rapidement et tu le vois rapidement être réduit. You better not throw it. Tu ferais mieux de ne pas jeter ça. Ok, je suis content de moi. Le chien a mangé. Elliot a mangé. Elliot, t'as bien mangé? Ah non. Il est en train de me dire que le plat était. Ouais. Tu as nourri le dog. Maintenant, il tente de vous manger. Tu cuisines avec ce que tu as ce que tu peux trouver. Merci pour l'électricité qui est au. Oh. You eat from the pan. Think over the stove. No here to judge you. Enfin, no, personne n'est là pour te juger. Bark. Tu as déjà donné moi à manger au chien, qu'est-ce qu'il veut? Bark, bark! Ah, ce bâtard, il veut sortir. C'est sûr. C'est sûr, Elliot, il veut sortir. Attends, moi, je veux faire. Tu fais du café comme tous les matins. La base de la vie. Prends la tasse dans tes mains. Tu regardes le mur et la cale. Que tes doigts font autour. Jusqu'à une petite liquide, jusqu'à ce que le liquide coule, il coule quoi. J'en sais rien du tout là, comme tous les matins. But this time, quelque chose de différent. Le chien est là. Looking more at home than you have ever felt. Et il est en train de regarder la maison comme jamais, quoi. Tu l'as fait. Le café est froid, mais tu le bois de toute façon. C'est mieux de cette façon. Bark, bark. Are you hungry? As-tu faim, connard? Bark, bark, bark. J'ai rajouté un bark. Tu as la chance, nous n'avons aucun voisin. Et oui, parce que quand t'as un chien, les voisins, ils se donnent envie de te tuer. Qu'est-ce que tu. Nous, tu mets de l'eau dans la plante. Est-ce qu'elle deviendra plus grosse? Ce n'est pas mort. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Et ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut, Elliot? Wayne. Tu veux partir? Bark. Ok. C'est toi le patron. Vas-y, vas-y, Elliot. On sort. C'est plus facile de faire face à la peur que t'as. De sortir ou autre, parce que quand tu as un chien qui est tellement content d'être dehors, on va où? Bark! Calme tes chevaux! Pour un chien, c'est complètement illogique, mais c'est pas grave! Calme tes chevaux, un chien! Je pourrais choisir de rentrer aussi. C'est pas grave, on va essayer de le sociabiliser, John. Appelons-le. Bark! Elliot! Tu n'as jamais été ici, c'est incroyable. Arf. Waouh. C'est un putain de phénix en fait. Ou un ptérodactyle. C'est un ptérodactyle le truc. Oh, tu es en train de t'inquiéter parce que si tu restes trop longtemps, tu vas tomber dedans. Bah. Le chien te regarde et implore. Enfin. Et pendant un moment, ses yeux ont flash, enfin, deviennent violets. Non, tu imagines des choses, c'est juste un chien. Throw the ball, enfin, lancer la balle, message reçu. C'est parti! On va jouer à la baballe, Elliot! La baballe! La baballe, la baballe! C'est parti, Elliot, la baballe. La baballe.
Ouais. Oh là, il ramène la balle. Oh là, Elliot. Tu peux complètement ignorer l'espèce de lilas clos quand tu joues à lancer la balle en clair, après en clair entre guillemets, c'est pas vraiment très clair, mais oublier pendant un moment ce vaste et cette chose qui est extrêmement grosse dans le ciel, quoi. Ouais, lancer de balle, je suis désolé, l'anglais est catastrophique. Le chien ne semble pas du tout être inquiet à propos de ça. Lancer de balle? Y a encore une ligne? Quelle heure est-il? Le soir? L'après-midi? Probablement au milieu de journée. Une dernière? Maybe even all of them. Peut-être avant tout le reste. Allez, Elliot, on continue. Je pense que c'est suffisant pour un jour. Weiner! Il te parle allemand en fait, le chien. On pourra revenir demain. Le chien en fait, il parle allemand. Il te fait Weiner! Ah, ce n'est pas possible! Bah! Genre, le chien, c'est un. Par contre, on descend par où? C'est un tank allemand, quoi. Le chien, c'est le maître. Quelqu'un est pressé. Il est pressé de rentrer. Tu sais, tu pars et il est pressé de rentrer, quoi. Genre. Oui, sa journée, ça ne suffit pas, lui. Il faut qu'il. Ah ben voilà, on revient devant la porte, hein, Elliot. Bah, bah. Ouais, ok, il a sûrement la dalle. Ça n'a pas pris trop longtemps de rester en dehors de la maison. Le chien te regarde de manière très fière de lui. Ok, d'accord. Tu es tellement fatigué. C'était quand la dernière fois que t'es sorti prendre l'air frais? Tu peux pas t'en rappeler. Bah! Je suis désolé, mais je pense que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Weiner! Je pense que c'est ma vie maintenant. Mais je peux pas franchir. Et là? Non? Non. Bon, bah tant pis, y a pas. On part revoir le ptérodactyle volant. Plonges sous tes couvertures. Tu. T'es toujours pas. Les as toujours pas lavé. Pas depuis. Ok, d'accord. Ah ouais, on est vraiment dans un mood du mec qui a pas lavé ses couvertures depuis que son ex est parti, quoi. Le chien s'allonge au-dessus de toi. Il est plus lourd que tu te pensais quand tu l'as vu avec cette fois, c'était ce côté. De sa peau et ses os, quoi. Il va sous toi, knife long, avec ses dents couteau, tout proche de ta, je crois que c'est la gorge, la glotte, enfin, le soubassement du cou. Tu peux sentir son cœur battre à travers la couette qui s'étend tranquillement son corps dans tes mains et tu t'endors. Rêve relou! Eh ben, vous savez quoi? Pour cette seconde vidéo, on va s'arrêter sur ce moment-là. Sur cette. Sur voilà. Tu espérais que ce soit terminé. Ben, il espérait, nous, pour vous, je suis désolé, ça se termine là. Donc voilà, j'espère que cette seconde vidéo sur You Will Not Remain vous plaira, autant que la première, autant que les suivantes qui suivront. Moi, je vous. Voilà, comme d'habitude, hein, vous pouvez vous abonner,
mettre un petit pouce bleu, mettre un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire. Voilà, au plaisir de vous avoir, de vous répondre aux commentaires si vous en avez. Voilà, moi, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et la bise, comme d'habitude, la bise.